Sevilla después. Stéphane Mbia, top. Et de là, je signe à Marseille. C'est une évidence. C'était pas à Marseille. J'allais au Real Madrid. Je prends le vol, je vais à Madrid. Et arrivé à Madrid, le manager général de cette époque-là, qui est Pierre de Rossi, qui me demande plutôt de revenir, de reprendre le vol avec mon agent et d'aller plutôt à Everton. Et là, Didier Deschamps, il m'appelle. Il veut me voir, donc il m'envoie un jet privé, je vais là de Rennes et puis je vais à Saint-Jean-de-Luz où ils étaient en stage pour la préparation pour l'année d'après. Et arrivé là-bas, je parle avec lui et il me fait comprendre qu'il me veut, il veut absolument que je joue dans son équipe. Et de là, deux, trois jours après, je signe mon contrat en Suisse avec mon agent suisse. Oui, enfin la majorité, hein, j'avais la chance que j'étais aussi... J'étais très très calme et que je respectais tout le monde. Ils ont facilité, que ce soit Rigobert Song, Samuel Eto'o, Timothée Atouba, qui ont facilité mon intégration au sein de l'équipe. Achille Weibo aussi, qui était là à cette époque-là. Donc ça m'a permis de tout simplement de me développer, essayer de chercher cette place de titulaire qui n'était pas encore acquise à cette époque-là, avec des joueurs très très confirmés dans des très très grands clubs. En quittant déjà Marseille, je voulais rester une année de plus à Marseille. Sauf que le club avait des soucis financiers, donc il fallait seulement remplir les caisses. Donc du coup, il n'y a qu'une Sparangas qui arrive et il y a trois joueurs qu'il faut vendre. Il y a Alou Diarra, il y a Atem Ben Arfa et moi. Normalement, je ne devais pas aller à qu'une Sparangas, par exemple. Je devais aller à Arsenal. Je parle avec Arsène, il me veut. Le club demande beaucoup d'argent la première année où on est champion et Didier Deschamps il quitte le club et puis ils me vendent à QPR par exemple, à Queens Park Rangers, où ils demandent énormément d'argent et Arsenal ne me recrute pas, donc ils prennent plutôt Koscielny qui était à Lorient à cette époque, qui va pour 10 millions d'euros et moi on me vend à Queens Park Rangers où je ramène 10 millions d'euros au club. Ouais, il ne faut pas juste avoir les meilleurs joueurs du monde. Tu vois. Je pense qu'il y a un groupe, hein. il faut le savoir. Il y a le savoir-vivre ensemble, c'est un tout. Et je pense qu'en Afrique, il faut absolument qu'on progresse dans ce sens-là. On a des très très meilleurs joueurs, on a des très très bons joueurs. Donc, dans tous les pays, on a 5, 6, 7 meilleurs joueurs qui vont dans des grands clubs et qui jouent. Oui, on a une grosse marge de progression, on a la chance d'avoir des footballeurs qui dirigent le football qui sont à la CAF. On a la chance d'avoir Samuel Eto'o qui est là. Il y a d'autres joueurs aussi, que ce soit du Congo ou d'autres pays africains comme le Sénégal qui sont dans le comité. Presse.tv, c'est la chaîne providentielle. C'est votre chaîne. Notre chaîne.